Isabelle Delannoy, donc je suis peintre et j'ai installé mon lieu de création en 2011 ici au Puce de Paris-Saint-Ouen. Je suis un peintre figuratif, donc j'ai une formation classique de peintre à l'huile. Je ne manque pas généralement de me référer à Nicolas de Staël qui disait que la peinture devrait être à la fois abstraite et figurative. Ce que j'essaie, c'est de faire un petit peu un mixte entre les deux, d'être un petit peu à cheval sur quelque chose de figuratif, mais dans un travail qui amène de la matière, de la poésie, etc. Donc ça, c'est un peu ma recherche, on va dire, sur mon travail. La nature est omniprésente dans mon travail pour plusieurs raisons, parce que je suis une amoureuse de la nature, j'adore la nature, l'observer. Dans la nature, on a toutes les sources d'inspiration possibles. Oui, la nature, c'est les modèles à l'infini, voilà. J'aime transmettre le beau, la poésie, quelque chose qui est agréable pour le regard. Et quand on essaie de transmettre cette poésie, c'est quelque chose qui permet au regardeur d'entrer dans le tableau et de s'y retrouver, de rêver. Enfin voilà, c'est tout un ensemble de choses qui font qu'un tableau fonctionne ou ne fonctionne pas.